À lui seulement. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. La faucheuse ivoirienne a eu raison de tout le continent. Troisième étoile pour les éléphants. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations chez eux après avoir battu 2 buts à 1 le Nigeria. Premier pays à remporter une CAN à domicile depuis l'Égypte il y a 17 ans. Ressusciter les Ivoiriens. Je vous rappelle qu'ils ont été au bout, notamment grâce au Maroc qui les a sauvés avec une place de meilleur troisième après la phase de groupe. Max Alain Gradel s'en est souvenu, le drapeau du royaume a été diffusé sur les écrans du stade d'Ebimpe et le milieu s'est permis de parader avec en guise d'hommage. Cette victoire, elle est aussi et surtout grâce à Emers Faye, le coach intérimaire arrivé il y a seulement 13 jours à la tête des éléphants, le jour de son anniversaire en remplacement de Jean-Louis Gasset. Et merci pour les travaux, mais lui, il est dans une autre dimension, complètement choc-barre. J'ai du mal à réaliser encore qu'on l'a fait. Quand je repense à tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé pendant la compétition, les moments difficiles, c'est extraordinaire. C'est une chance énorme. On est des miraculés. On a été chercher la coupe parce qu'on n'a rien lâché, parce qu'on s'est battu jusqu'au bout. Et quand on pense que la FIF voulait un prêt d'Hervé Renard pendant la compétition, enfin bref, je vous pose la question du jour. Que pensez-vous d'Emers Faye à la tête de la Côte d'Ivoire? Vous pensez qu'il lui faudrait un contrat longue durée ou qu'en intérim c'était bien et qu'il faut un autre coach maintenant? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera de commentaires. Dans le vestiaire ivoirien, on a eu droit aux deux salles, deux ambiances du côté des Singo, Diakité, Crasso et compagnie. On a eu droit à la collégiale de la Star Academy. Wow, wow, c'est nous les éléphants, la case est chez nous, la boule ne bougera pas. Hey, hey, wow, wow, c'est nous les éléphants, la case est chez nous, la boule ne bougera pas. Hey, hey. De l'autre côté, on les pensait calmés et avec un peu plus d'humilité. Eh bien non, ils ont encore frappé les snappeurs fous, puisque Serge Aurier a profité de son succès pour répondre à un influenceur insultant qui avait dézingué l'équipe. Nico Pepe et Seko Fofana en featuring avec Insultant Prime, on s'en serait passé. Faut jamais lui laisser le téléphone à celui-là, à ne pas reproduire chez vous. Heureusement, il y a des joueurs bien plus discrets qui se font entendre sur le terrain. C'est le cas de Sébastien Haller, auteur du but de la victoire. On est trop content pour lui et pour Simon Adingra, masterclass encore hier, avec deux passes dé à la clé et les trophées de Man of the Match et de meilleur jeune de la compétition. Le meilleur gardien, c'est Monsieur Williams, le Sud-Africain. L'Équato-Guinéen Emilio Nsou est fini meilleur buteur. Tandis que le meilleur joueur est bien sûr Léo Messi. Mais non, c'est William Trostekong, le Nigérian, qui lui est tout terrain. Hein. Il est défenseur, il est capitaine. Il est buteur, il monte la garde, il descend les poubelles et représente magnifiquement les finalistes nigérians qui n'ont pas démérité. Ça va nous manquer cette compétition. Et les 42 meilleurs troisièmes aussi. Allez, c'est l'heure du football vrai. Allons en Australie sans les 22 heures de vol. En déplacement chez les Central Coast Mariners, le Sydney FC s'est imposé mais s'est offert un gigaloupé de fou furieux. Regardez, après que le gardien adverse ait emmêlé les pinceaux, balle au pied, Patrick Wood récupère le ballon et l'envoie sur le panneau publicitaire alors qu'il était devant le but. On va penser à un rendez-vous chez l'ophtalmo pour lui. Sans transition, en Ligue 1, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Eh bien d'abord, l'Olympique Lyonnais s'est donné un petit peu de répit en s'offrant Montpellier à la Mosson, score final 2-1 et une 13e place au classement. Vraiment, Lyon, c'est la Côte d'Ivoire de ce championnat de France. Et en haut de tableau, il y avait le derby de la Côte d'Azur entre Nice et Monaco, remporté par le club du Rocher 3-2 pour revenir sur le podium. C'était chaud avec l'exclusion de Dante après un tacle de boucher sur Takumi Minamino. Il n'y a qu'à voir l'état de sa jambe gauche hein, après le contact. Regardez le trou creusé par les crampons, ça c'est des prédateurs vissés, je reconnais. Bon, moindre mal, les monégasques s'en sortent bien. Adi Hutter a même fait croquer les plus jeunes comme Marnes Akliouche, entré en jeu en fin de partie. L'international espoir se fait sa place en principauté, aidé par ses aînés à l'image de Youssouf Fofana. L'atout offensif de 21 ans était hier dans Téléfoot dans un document préparé par Mamoud Traoré. Il nous a parlé de son ascension, c'est à retrouver sur TF1+ en intégralité. Extrait. À Monaco, le joueur de l'équipe de France Espoir est entouré, conseillé par Youssouf Fofana. Ouais, c'est ton grand frère là.
Comment tu te vois progresser les 5 prochaines années? Ciao, ciao. Aujourd'hui, je pense que je me sens bien ici au club. Maintenant, je vais continuer dans ce chemin-là, bosser dur. Et on verra d'ici là. Il rêve de quoi, Marnès, à Cliouche? Marnès, il rêve de victoire, tout d'abord. Il va rêver aussi de progrès. Et pourquoi pas de titres. Dans le reste de l'Europe, bravo à Arsenal qui a mis un coup du marteau aux Hammers. Vous l'avez, un rapport au marteau, justement. 6-0 au Stade Olympique de Londres, auteur d'un doublé. Bukayo Saka a passé le cap des 50 buts et est désormais impliqué sur 100 réalisations avec les Gunners à seulement 22 ans. Un grand d'Europe, en somme, un autre grand d'Europe, c'est le Real Madrid qui a mis tranquillou un 4-0 à la sensation Girona. Est-ce que Zizou était au stade? Ben non, enfin presque. Il était pas dans le bon, on l'a vu à Las Vegas avec son fiston Enzo pour assister au Super Bowl. Le Real, c'est pas trop son souci, hein. Mais en revanche, c'est celui de Rodrigo qui trouve qu'il n'y a pas assez de talent dans cette équipe des Merengues. Alors il aimerait bien voir un nouveau arriver. Non, Mbappé. C'est un appel du pied. J'adorerais que Mbappé vienne. Je veux toujours jouer avec les meilleurs joueurs et il est l'un des meilleurs au monde. J'adorerais, mais je ne peux pas trop parler de lui. C'est un joueur du PSG et je dois respecter ça. En parlant de Kiki, J-2 avant le 8ème de finale de la Ligue des Champions opposant le PSG à la Real Sociedad. Bonne Saint-Valentin à tous, hein, et surtout à la Real Sociedad, qui nous a annoncé une bonne nouvelle avec l'officialisation de la prolongation de Takekubo. Le japonais de 22 ans est désormais lié au Basque jusqu'en 2029. Un joueur de dessin animé, nous disent les Espagnols. Sympa. Avant de se quitter, en Allemagne, Bild et d'autres médias locaux nous en ont appris une bien bonne. José Mourinho serait en ce moment en train d'apprendre l'allemand et pas par pur loisir. Le Special One pourrait prendre la succession de Thomas Tuchel au Bayern, le technicien allemand est décrié après des résultats contrastés, dont une défaite cinglante contre Leverkusen samedi. Son poste pourrait donc intéresser le Mou, qui n'a encore jamais coaché en Bundesliga. Et pourquoi pas? Vendredi, on vous demandait ce que vous pensiez de l'introduction du carton bleu. Sarah, tu es contre, tu penses que c'est plutôt le carton jaune qui devrait coûter 10 minutes d'exclusion. Ajouter un carton va donner lieu à des histoires de VAR interminables. FRN, tu proposes à ce moment-là de retirer le carton jaune ou d'instaurer le même système d'exclusion temporaire qu'on a dans le rugby ou dans le handball. Mais faut choisir. Oui, le carton bleu, c'est pas votre délire, quoi. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain avec le retour de la Ligue des Champions. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao! C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.